pourquoi est-ce que l'on est en phase de redécoupage des circonscriptions dans notre pays? Il faut savoir que la carte électorale française date de 1986. Or, en 22 ans, la France a beaucoup évolué. Nous avons augmenté quasiment de 10 millions d'habitants. La parole est à Yves Nicolas. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse à Monsieur le ministre de l'Éducation nationale, Monsieur Darcos. On est vraiment à la veille d'une très grande réforme, une réforme telle qu'on n'en a pas connue depuis 50 ans dans l'organisation de notre territoire français. Nous ne sommes bien évidemment pas contre voter de nouvelles lois qui améliorent le quotidien des Français. Mais lorsqu'on vote une nouvelle loi, nous devrions aussi en profiter pour toiletter celle d'avant et peut-être éliminer des lois qui sont devenues obsolètes ou sans intérêt. Madame le ministre de l'économie et des finances, monsieur le ministre du budget, mon intervention dans le cadre de ces discussions générales du budget de notre nation pour l'année 2010 se limitera à un cri d'alerte. La crise financière et économique venue des États-Unis touche fortement nos entreprises et affecte des centaines de milliers de nos compatriotes. Je voudrais ici témoigner en faveur de ces centaines de milliers de petits patrons qui n'ont pas grand-chose de commun avec les quelques exceptions médiatiques et critiquables qui font aujourd'hui la une des médias. Oui, monsieur le ministre, le capitalisme familial doit être défendu. Je crois que ce qui nous réunit quand on est candidat à une élection, c'est qu'on aime le territoire qu'on veut défendre. Et moi, je suis originaire du Rouennais, né dans cette ville. Il faut savoir que nous sommes encore à ce jour la seule ville importante de toute la région Rhône-Alpes à n'être reliée ni par une autoroute ni par un TGV à la capitale régionale qui est Lyon.